tous, c'est Mélanie Castelperceur. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que c'est Halloween. Donc aujourd'hui c'est pas pile Halloween parce que je la tourne un petit peu avant, mais c'est presque Halloween. Donc comme ça la vidéo sera mise le jour d'Halloween. Donc cette année je vais me déguiser en vampire. Mais on peut très bien se déguiser en petit diable. Ou en citrouille. Ou même en fantôme. Bouh. Donc aujourd'hui, je vais faire Hello Kitty parce que j'adore Hello Kitty. Donc en vampire, comme je vais me déguiser en vampire. Donc pour ce tuto, il nous faudra de la fimo fluorescente numéro 4. De la fimo numéro noir numéro 9. De la fimo rouge, rouge indien numéro 24. De la fimo jaune limone numéro 10. Et puis de la fimo gris dauphin numéro 80. Donc je viens faire le corps de Hello Kitty, comme ça. Ensuite je fais un boudin que je coupe en deux. Donc que l'on place ses pieds comme ceci. Donc je viens faire le dessin qu'elle a sur son déguisement. Enfin, le pull qu'elle a, comme ceci. Ensuite, je viens mettre un petit bout de fimo fluorescent donc au milieu. Je mets un petit bout aussi ici. Parce que tout le gris, c'est son déguisement. Et là, du coup, on voit sa peau. Du coup, j'ai fait maintenant les bras que je place. Donc, c'est un boudin. Maintenant, on fait sa main. Donc, on coupe le bout d'un boudin. Ensuite, on vient faire sa main. Je suis comme ceci. Avec mon dotting tool, je vais faire ça pour faire son doigt, donc son pouce. Et voilà, c'est demain. Ensuite, je viens placer sa petite main. Ensuite, je viens faire sa tête. Donc, je fais son oreille. Donc, avec de la fimo fluorescent. Je viens étaler de la pâte grise que je mets sur la tête de Hello Kitty. Ensuite, avec mon dotting tool, je viens dessiner donc le motif. Donc avec ma lame souple, je viens retirer tout ça. Donc tout ce qu'on veut pas. Voilà ce que ça donne. On vient faire la petite chauve-souris qu'elle a sur la tête. Donc on fait deux petites oreilles. Que je viens placer. Ensuite on vient dessiner une aile de chauve-souris avec notre dotting tool. Sur de la pâte. Donc voilà ma première aile. On fait la même la deuxième qu'on met par-dessus. Et que l'on vient tracer avec notre dotting tool.
Maintenant, on vient passer les deux ailes de chauve-souris. On met deux petites boules pour ses yeux. Ensuite, je vais faire son cil. Donc, elle n'est pas très contente. Ensuite, je viens faire les trois moustaches que Hello Kitty a. Donc voilà, ces trois moustaches des deux côtés, on vient rouler pour qu'il n'y ait qu'une épaisseur. Et ensuite, on vient placer une boule pour son petit nez de pâte jaune. Donc maintenant, j'assemble la tête au corps avec un petit clou.